On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pixelman. Je vais apprendre à faire une Pokéball assez forte avec protection 4, résistance au feu 4, puissance 5, butin 3, fortune 3, solidité 3, efficacité 5, et là, délicatesse 1. Prenez une enclume, prenez votre Pokéball, faites ça et vous les mettez tous. Je vous promets pas que ça marche à tous les coups d'attraper un Pokémon avec le mode Pixelmon. Oh, sérieuse. Si vous avez envie, vous pouvez personnaliser votre Pokéball à Pocket Cheat ou un nom comme ça. J'ai un Dracaufeu niveau 100, un Nidalee niveau 14, Lucario niveau 25. Je sais plus comment elle s'appelle, niveau 41. Papillon et le serpent. On va essayer d'attraper un Pokémon comme ça. Ratata. Voilà, Ratata. Je vois ce que j'ai capturé. Non. Time, ça 7, 0. Faites ça. Oh, enculé. Lance-moi le Pokéball. Bon, toi là-bas. Ah. Ah, je vais l'attraper. J'ai attrapé Voltorb avec cette Pokéball. Maintenant un Verdanian. Déjà si je loupe, ça va pas le faire. Là. Voilà. Oh. Bon, mais on va essayer de l'attaquer. Merde. Fanintal. Attends, Kofi, reviens. Voilà. Attendez.
Voilà, on va s'avancer un petit peu. Elle vient d'ordonner en merde. Je vais te capturer, frère. C'est un film de gonzesse. Attendez. Un caninos, on va essayer de le capturer à lui. L'a pas eu. On le casse pas, gros. Oh, c'est de la merde. Bon, je fais une ellipse. Re tout le monde, cette fois-ci j'ai su faire. J'ai su faire un combat contre caninos. Poison. Morsure. Butterfly. Confusion. Oh. Oh non, je l'ai buté. Bon ben reviens gros. Bon ben je refais les... Re tout le monde, on se retrouve pour deuxième fois contre... Butterfly. Hypnotise. Il dort, donc on va pouvoir l'attaquer. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est... Re-hypnotise. Ah, je suis paralysé. Bague. Pokéball. Allez, le classe. Fight. Confused, ouais. Il est confus, il est confus. Ah, je l'ai tué. Bon, c'est pas grave. C'est un peu la vidéo Forest, mais je vous ai montré comment faire un Pokéball cheat, donc bye bye. J'ai pas eu le temps de la tester. Si, mais elle marche pas à tous les coups, donc c'était pour vous prévenir.